Le réveil de l'ancêtre. Sous le sommet du juge-toit, au grenier des mansardes, sont des lits de bois noir et des pieds des hardes. C'est là que l'aïeul, le vieux maître, dormait. C'est là qu'il couchait dans le temps des sommeils. Le lit étant plus dur, il se levait plus tôt, donnait son cœur à Dieu, puis gagnait aussitôt. Les chances se livraient de fécondes batailles. Sur ce lit, il aimait se reposer aussi, par les jours de moisson, où, de ses mains robustes, il en gerbait les richesses augustes, dont le soir était ébloui. De la fenêtre dont nul ombrage ne voile, avant de retomber dans l'oubli jusqu'au jour, il regardait, avec amour, chaque gerbe, luisant comme une grande étoile. Et quand ses membres assoupis se retrempaient, enfin, dans la douceur des trêves, l'ancêtre faisait de beaux rêves, où, dans un champ d'azur, passaient des flots d'épis. Toute l'ambition féconde de la race ressuscitait en lui quand le jour éclatait et quand la fenêtre mettait de l'aube sur sa face. Alors, il se levait. L'horloge au tympan pâli n'a pas fait retentir pour lui sa voix sonore, car il reconnaissait la marche de l'aurore au rayon de soleil qui tombait sur son lit.